Monde ici, Boss Papan. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto comment présenter sa chaîne YouTube en 2021. Donc, je ne prétends pas avoir la meilleure méthode ou les meilleures astuces, mais je connais 2-3 petites choses qui peuvent vous aider. Donc, bien sûr, à la fin de la vidéo, mettez le petit pouce bleu si ça vous a aidé. Partagez à vos amis si vous pensez que ça peut les aider également. C'est parti, intro. Ici les tutos des pannes, pas le temps pour les making off. T'es bienvenue chez Boss Papan, vlog et live, active la cloche. Sur YouTube, il sort du lot, bien réel, pas d'hologramme. Rejoins-le sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, V2 Srime. Alors je fais ce tuto parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur mes live analyses de chaîne, puisque oui, je fais des live analyses de chaîne où je donne des conseils, etc., etc. D'ailleurs, si tu veux suivre un petit peu ce qui se passe, abonne-toi pour ne rien rater, active la cloche. Et voilà, donc comme on m'a demandé ça, ben, je me suis dit peut-être un tuto serait plus simple que de répéter tout le temps les mêmes choses sur le live. Voilà, donc c'est parti. On va faire le tour d'une chaîne YouTube, la mienne, et je vais vous montrer un petit peu comment moi je m'y suis pris pour présenter ma chaîne. Ça peut vous aider à avoir plus, mieux montrer, un peu comme une vitrine si vous voulez. Sur une chaîne YouTube, déjà en premier, ce qui est important, c'est la bannière. La bannière, ça je dis souvent, la bannière c'est très important. Donc quand on sait pas faire, on demande à des gens qui savent faire. Si vous ne savez pas faire et que vous connaissez personne, rejoignez le Discord, il y a un salon graphiste où vous pouvez demander. Certains le font contre une pub, d'autres gratuitement, d'autres en échange de quelques euros. Donc oui, la bannière c'est très important, je vais vous montrer après tout à l'heure comment changer tout ça. La photo de profil, important aussi. Donc moi j'ai choisi de mettre ma tête avec un filtre, après on peut mettre aussi une image de jeu vidéo, on peut mettre ce qu'on veut. Et après vous avez votre page d'accueil qu'il va falloir remplir. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors déjà pour commencer, vous avez tous ces onglets là à disposition. Et c'est important de les remplir, faut pas les laisser vides. À propos, très important. Là, à propos, faites un petit résumé de ce que vous faites sur votre chaîne, hein, du gaming, des vlogs, etc. etc. Mettez des liens, vos réseaux sociaux, en dessous de la barre d'infos, comme ça ils sont cliquables. Et on les retrouve aussi sur la bannière. Parlez un petit peu de vous, mais pas trop. Ne mettez pas vos âges, vos prénoms dans la description, ça ne sert à rien. Et surtout si vous êtes mineur, savoir quand même qu'il y a des tordus sur internet qui se promènent. Hein. L'onglet chaîne, à remplir aussi. Certains ne veulent pas montrer leurs abonnements. Donc il est masque, mais ils mettent pas non plus de sélection de chaîne. Donc moi perso j'ai montré mes abonnements et en plus j'ai fait une sélection les sponsors, donc ceux qui ont rejoint qui sont membres soutien de la chaîne. D'ailleurs merci à eux encore une fois, d'ailleurs je l'ai montré, hein. Voilà, ils sont là. Bon, il n'y a pas tout le monde, hein. J'ai pas tout mis à jour encore. Donc voilà, sélection de chaîne à faire. Je vais vous montrer aussi comment on fait ça juste après, j'en fais le tour. La boutique, si vous avez une boutique de vêtements à proposer, voilà, que vous pouvez mettre aussi en dessous de vos vidéos comme là actuellement. Ça c'est pour les membres soutien, justement les badges, etc., etc. La communauté, donc c'est un peu comme l'onglet discussion pour beaucoup de chaînes, donc c'est là que vous allez faire des sondages, discuter, interagir avec votre communauté, très important à utiliser aussi. Les playlists, très important aussi, faire des playlists, je vais vous montrer tout ça, hein. L'onglet vidéo forcément, puisque c'est là qu'on va retrouver toutes les publications, ok. Et la page d'accueil, d'accord. Jusque là, on est d'accord. Moi, perso, j'ai choisi de ne pas mettre mes dernières vidéos en ligne sur ma page d'accueil. Justement, pourquoi? C'est une astuce, hein, que je vous donne là. Parce que, en général, l'onglet vidéo, il sert à ça. En fait, vous allez cliquer sur l'onglet vidéo pour aller chercher la dernière vidéo en ligne. Donc, autant utiliser votre page d'accueil pour mettre en avant les contenus que vous voulez mettre en avant. Je sais pas si vous suivez un peu le truc. Maintenant, comment faire tout ça? Puisque moi, j'ai fait ça. J'ai mis les sponsors sur ma page d'accueil. J'ai mis une playlist, une playlist, une playlist, une playlist... une playlist, une playlist, une autre playlist, et même tout à la fin j'ai même fait une playlist merci pour vos vidéos où j'apparais dedans, où on parle de moi, etc., etc. Voilà. D'autres youtubeurs ont fait sur moi. Comment on fait tout ça? Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires, mais je pense que ma chaîne est plutôt bien présentée, je pense. On voit bien les miniatures, tout est étalé, voilà, on peut choisir comme on veut, voilà, on tourne un peu, on peut aller au contenu assez rapidement et c'est bien trié, enfin du moins à peu près bien trié. Comment on fait tout ça? Personnaliser la chaîne. Cliquez là-dessus et vous allez atterrir ici. Deuxième partie de la vidéo, c'est là que ça va être intéressant pour ceux qui ne savent pas faire justement. Alors, quand vous faites personnaliser la chaîne, vous arrivez sur bande annonce, sélection pour vos abonnés. Donc la bande annonce en gros, c'est une vidéo qui va tourner automatiquement pour une nouvelle personne qui va débarquer sur votre page d'accueil, sur votre page YouTube. Et la sélection vidéo pour les abonnés, c'est aussi une vidéo qui va rester ici en premier pour vos abonnés. Pour les abonnés qui se promènent sur votre chaîne, et ben si admettons vous leur montrez cette vidéo là en particulier, vous la mettez, elle va rester tout en haut de la page. Voilà pour les deux premières choses. Ensuite, sélection sélectionnée. Alors là, vous voyez, vous avez tout ça. C'est l'équivalent en fait de tout ça.
En gros, comment on fait? Bah simple, on fait ajouter une section. On peut ajouter jusqu'à 10 sections. Et là, on choisit. Bon, attendez, j'ai enlevé celle-là. On va faire comme ça. Alors, on va faire ajouter une section. Et là, vous avez le choix. Vidéo mise en ligne, vidéo réservée aux membres, vidéo populaire, vidéo courte, actuellement en direct, diffusion en direct, etc., etc., etc. Moi, je vous conseille, pour faire, si vous voulez faire comme moi, bien sûr, de faire une seule playlist. On va prendre n'importe laquelle, je sais pas, Rocket League par exemple. Voilà. Elle est en bas. Pour mettre après vos playlists dans l'ordre que vous voulez, vous avez juste à les glisser, vous maintenez appuyé sur les deux barres à gauche et vous les faites monter, descendre, vous relâchez. Voilà, ça les déplace comme vous avez envie, tout simplement. Et après, modifier le contenu de la section. Si vous voulez la changer. Ok. Et quand vous faites une seule playlist, normalement, les miniatures sont déroulées à l'horizontale. Si. Alors on va la supprimer. Hop. Si, admettons, on fait playlist créée. Là, vous voyez, hop, on voit le nombre de vidéos par playlist, mais on voit qu'une seule miniature. Alors que moi, j'ai mis une seule playlist pour qu'on voit toutes les miniatures. C'est ça la différence, en fait. C'est pour ça que je vous conseille, sauf si vous avez vraiment un paquet de playlists incroyables, je vous conseille vraiment de mettre une seule playlist par section. Ensuite, si vous voulez faire une sélection de chaînes, comme là j'ai fait moi pour les sponsors, ajouter une section. Vous pouvez mettre vos abonnements sur votre page d'accueil, mais c'est inutile, puisque s'ils sont publics et qu'on peut les voir, inutile de les afficher sur la page d'accueil. Encore une autre astuce. Juste aller dans l'onglet abonnement, onglet chaîne, je veux dire, pardon. Sélection de chaîne. Et alors là, si vous voulez faire une sélection de chaîne, vous mettez le titre, je sais pas, moi, les beaux gosses, je sais pas, un truc comme ça. Hop. Et là, vous faites recherche de chaîne. Vous mettez le nom de la chaîne ou vous mettez directement le lien de la chaîne. Je sais pas, je vais prendre un lien par exemple. Je prends celui d'Assino. Hop, je colle le lien, hop, il va me trouver Natino. Je coche et il va être mis dans la liste. Si admettons je vais en mettre un autre, hop, je prends le lien de la chaîne, hein. Je le recolle là. Et il va me trouver tous les liens qui correspondent, enfin toutes les chaînes qui correspondent à ce lien. D'ailleurs, ce qui est pas normal. Non. Je mets Bruce par exemple. Et si je veux que Bruce passe premier, je clique, je maintiens et je fais glisser. Et comme ça, vous pouvez mettre dans l'ordre vos chaînes. En gros. Voilà pour la sélection de chaînes. Que vous pourrez après, ensuite, afficher. Publier, n'oubliez pas de publier. Donc cette sélection de chaînes, normalement, devrait apparaître en bas, mais apparemment, ça ne s'actualise pas assez vite. Et aussi, elle devrait apparaître normalement dans chaînes. Juste, pensez toujours à chaque modification ou chaque changement, pensez à faire publier. Voilà. Et après, vous faites votre liste pour votre page d'accueil. Alors ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour votre chaîne YouTube. Cette partie-là, justement, la personnalisation, la disposition de vos vidéos, de vos playlists, de vos sélections de chaînes, etc., etc. Présentez bien, montrez bien, étalez bien, comme une vitrine, en fait, comme une boutique, de façon à donner envie de cliquer, en fait. Hein. Le branding, à côté de la disposition, c'est aussi important. Photo de profil que vous pouvez modifier, et les formats qui sont précisés. La bannière, voilà, avec tous les formats disponibles, enfin, que vous pouvez voir, portable... télé, ordinateur, modifié, et ça tout en bas, le watermark, en fait c'est le petit logo que vous voyez actuellement en bas à droite de ma vidéo actuellement, c'est là que vous décidez de l'afficher sur toute la vidéo, au début à définir ou à la fin de la vidéo. Moi j'ai mis sur toute la vidéo, comme ça fait un petit logo, c'est sympa, et quand on clique dessus, ça ramène sur la chaîne YouTube. Ça c'est encore la petite astuce. Ensuite, information générale, c'est là que vous allez changer votre description. À propos, je le dis, je le répète, très important, on fait un petit résumé de sa chaîne, un petit peu voilà, un petit peu comme toujours que quand j'achète un jeu vidéo ou un Blu-ray ou autre, je retourne la jaquette et je regarde le résumé. Et ben là c'est pareil, il y a des personnes des fois qui vont dans l'à-propos et qui regardent le résumé de la chaîne. C'est pas toutes les personnes, mais il y en a quand même. Faites bien un truc propre, un beau résumé sans faute d'orthographe, assez simple, assez agréable à lire, puisqu'il y a des gens qui vont dans les à-propos, il y en a peu mais il y en a. URL de la chaîne, ça c'est votre URL de base que vous avez, mais vous pouvez la personnaliser. URL personnalisée, c'est là que vous allez décider de votre nom de chaîne perso. Moi j'ai mis Boss Papan à la place de channel nanana. Ensuite, les liens, que justement c'est là que c'est intéressant, ces fameux liens qui doivent apparaître en haut de votre chaîne, comme là moi j'ai les petits logos là, on clique dessus et puis on accède directement au profil. Je vous conseille de les utiliser. Donc les liens qu'on retrouve sur la bannière en haut à droite et qu'on retrouve aussi
dans la propo en dessous en cliquable, c'est là qu'on les configure, qu'on les paramètre. Donc là vous mettez le nom et là l'URL pour amener sur votre profil directement. Ok, vous pouvez en rajouter je sais pas combien d'ailleurs. Sous, vous pouvez décider combien de liens vous voulez afficher sur votre bannière. Juste 1, 2, 3, 4, 5, 5 maximum. Moi j'ai mis tout, hein, comme ça un maximum d'affichage. Voilà en gros pour ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des bases, on va dire. Les playlists. Les playlists. Si vous voulez créer une playlist, pour ça c'est la petite astuce supplémentaire. Nouvelle playlist. Donc déjà à gauche playlist, nouvelle playlist, vous mettez un titre. Visibilité, public, privé, non répertorié. Donc vous pouvez faire des playlists non répertoriées que personne ne voit, à part les gens qui auront le lien, ou alors privé que pour vous. Vous mettez le titre, vous créez la playlist, hein, pensez à faire créer bien sûr. Et une fois que c'est fait, et ben tout simplement, hop, vous allez dans vos contenus. Et si admettons, par exemple, je vais rajouter celle-là dans une playlist, ajouter à la playlist, et on peut choisir plusieurs playlists. Il faut juste penser aussi à enregistrer quand c'est fait. Voilà, voilà, voilà. J'espère que j'étais assez clair dans ce tuto. Tuto comment personnaliser sa chaîne YouTube. N'hésite pas bien sûr à la liker comme j'ai dit. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça me fera plaisir aussi. Je te dis à la prochaine. Salutations, c'était Boss Papan. Ciao, ciao.